Bonsoir et bienvenue sur ce live. Donc ouais, je serai sur en tant que noob, mais ils ont pas vu mon niveau en arène hein. Sur Valorant demain 20h sur la chaîne Dobat et respectivement les nôtres. Je sais pas si on va stream, je sais pas. Ouais, il me semble que c'est chez Obat. Ouais. Donc voilà, ce sera sur la chaîne Dobat. Et après, je vais continuer Ocarina of Time. Et petit message pour YouTube, parce que j'ai oublié de le faire la fois précédente. C'est la dernière série que je mettrai sur YouTube. Voilà. Je stream un peu plus, j'ai la fibre. Donc forcément, j'ai pas forcément le... Les bons timings pour les remettre sur YouTube. Avec plus de streams, ça risque d'être un peu plus galère. Je suis pas professionnel, je suis très loin de l'être. Voilà. Donc on va continuer Ocarina of Time sur la vraie GameCube. Ouais, ouais, c'est la vraie GameCube, c'est le vrai jeu, c'est le vrai jeu, c'est simplement qu'il est boosté sur l'action replay. Mais c'est le vrai jeu. Voilà. On en était où? Pourquoi je me réveille là, moi? Link? Ouais, pourquoi on se réveille en forêt des Kokiri, là? Eh oui. Ouais. J'étais pas là du tout. Donc ouais. Là on revient sur la plaine d'Hyrule normalement. Si tout se passe bien. Ouais. Forcément j'y reviens, il fait tout noir. Ouais, c'est bon, hein. Moi j'étais pas là à la base. Moi j'étais vraiment pas là à la base, donc arrêtez de me faire chier là, popper devant moi. On chie, eux. Et allez, et ça pop. Ah, le jour se lève. T'es obligé de faire tout ça. Pour la simple et bonne raison que ils m'ont pas fait pop au même au bon endroit. À l'endroit où j'avais save en plus. Ok. Bon, c'est pas bien grave. On va quand même y arriver. Cocorico! On arrive le matin et on arrive vraiment le matin de bonne heure. Il me reste 3 poules à lui trouver à l'autre. Lui, le gamin, il est où? Putain, à peine levé qu'il est déjà au cimetière. Et... Bah, va te faire. On continue l'aventure, hein. Chemin du péril. Ouais, on s'en fout des ennemis, on l'est déjà passé normalement. Allez. Heureusement, ça passe. Les monstres, ils sont pas relous. Ouais, on était quasiment là. Là, il y a des rochers, je sais pas quoi en faire. Là, il y a des rochers qui se pètent la gueule. Ouais, ouais, on l'avait déjà passé.
On avait parlé à l'autre qui cache les merde les choupetteurs. Voilà, j'avais perdu le nom. C'est des choux que quand tu les cueilles, ils pètent. Hein. Alors, voilà, c'était là que j'avais sauvegardé au village Goron. Oh, j'ai si faim. Tout le monde crève la dalle ici. Nous sommes venus, une race en voie d'extinction. Faut nous protéger. On ne peut plus entrer dans les carrières de la caverne d'Odongo, notre garde-manger. On doit alors se contenter de gravir, et ça c'est dur. Oui, c'est clair. Les meilleurs rochers à la fois nutritifs et délicieux sont dans la caverne d'Odongo. Mais c'est de l'histoire ancienne. Nous sommes tous venus de vrais gourmets. Il est alors impossible d'avaler autre chose que de la pierre d'Odongo. Ouais, j'imagine bien. Bah, je me taperai bien un gigot de caillasse de la caverne d'Odongo. Un gigot de caillasse. Oh, il a fumé lui. Fallait où? C'est un peu le bordel chez eux quand même. Oulo. Oulo. Ouais, c'est vraiment le bordel chez eux. Ouais, y a un plongeoir. Il n'y a pas d'eau. J'aime bien les plongeoirs, mais j'aime pas quand il n'y a pas d'eau. Ça fait un peu mal la chute, on va dire. Oh, ce bordel. Arrête ma course folle et je t'offrirai peut-être quelque chose. Quoi? Arrête ma course folle et je te donnerai peut-être. Ça me donne pas envie. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas tomber. Pas tomber, le funambule, pas tomber. C'est pas comme Mirror Sage. Hein. Ah oui, mais tu m'étonnes que ça fait mal. Hein. Un saut en élastique sans élastique, c'est rare quand même. Hein. Ben, ok, faut faire quoi? j'ai pas envie de reparler, moi. Ok. Putain, on dirait des rochers, bordel. Ok, bon, faut faire quoi? Oh là 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 là, le labyrinthe! Bon.
Putain! Et je vais pas y arriver. Ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut faire. Donc... Mais j'ai envie d'aller voir le gars qu'il y a là-dessus. Parce que je suis sûr que c'est un gars et pas une pierre. Donc. Je suis sûr qu'il pourrait me donner des. Je suis sûr que c'est lui qui nous donne les infos. On y va, on y croit. On a un stick de merde. C'est pas grave, c'est le stick de la GameCube. Tant qu'il drifte pas, c'est bon. Yep, on a réussi. Voilà. Hey! C'est dangereux par ici, un petit gars comme toi pourrait tomber n'importe où. Non, je suis tombé deux fois, c'est bon. Attends, tu ne serais pas venu pour manger notre pierre rouge par hasard? Dommage, elle n'est plus là. Quoi, tu n'es pas ici pour ça? Tu cherches la pierre ancestrale? Il doit s'agir de la pierre rouge si appétissante qui était là. J'avais si faim, alors je me suis dit une petite bouchée de cette belle pierre, personne ne le saura, mais elle avait déjà disparu. Heureusement, parce que j'avais pas envie de la récupérer. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est un bruit qui vient de l'extérieur. Je crois que le chef l'a caché. Il dit toujours que ça rend les frères complètement dingues de regarder cette pierre rouge par ces temps de famine. Le chef s'est cloîtré dans son antre après avoir dit: J'attends le messager de la famille royale. C'est quoi ce bruit? Ok, Ok, alors. Ça, faut essayer d'arrêter cette pierre là, à la con. Ah ouais, d'accord, non, c'est pas une pierre. On peut pas l'arrêter comme ça. Eh monsieur! Oh! Ah monsieur! Oh! Oh! You! Oh! Eh oh! Eh connard! Ouais, bon, laisse tomber. Ah! Attends. Pas avoir compris le truc. T'as compris le coup? D'accord. Je sais pas quoi ça sert de sauvegarder étant donné qu'on revient à la forêt. Merde. Mais je voulais pas faire ça moi. Mais comment qu'on tire? Ah, c'est pas intuitif, hein. Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment pas intuitif. Non, c'est pas comme ça qu'on l'arrête. Bon, on va dans le principe qu'on peut pas l'arrêter. Alors, on saute. Par contre, pour ouvrir la porte, comment qu'on fait? Le chef s'est cloîtré dans son antre après avoir dit: J'attends le messager de la famille royale. Je veux ouvrir son antre. Elle est où là, le feu là? Il y a des torches qui sont fermées.
Oh, les visiteurs se font rares. D'où viens-tu? La forêt? C'est quoi une forêt? Hein? On y trouve des arbres et des plantes. Tu me parles de quoi? Ici, il y a bien les choupetteurs, mais les bâtons mojo, c'est super rare dans le coin. Je connais un truc pour conserver un bâton quand il brûle. Range-le avec A avant qu'il ne soit trop tard. Au fait, j'ai planqué un bâton quelque part. Connard. Tu vas me dire que j'ai fait tout ce chemin pour pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de feu ici. Oh putain. Ok. On va essayer de trouver du feu. Il y a des cœurs ici, voilà. Il y a que des cœurs par contre. Non, lui, il pousse à l'ombre. Donc, il n'y a pas de feu. Oh putain, et dis-moi pas qu'il faut retomber là. FedEx quand même, hein? Yeah, j'ai sauté, j'ai perdu un demi-cœur, mais j'ai sauté. Bonjour village Cocorico, je veux du feu. Putain, et c'est trop demandé du feu. Oh j'ai l'impression que c'est trop leur demander. Ouais, toi, je sais, il te manque des poules, mais je sais pas où est-ce qu'elles sont tes poules, donc. Putain, mais il n'y a pas de feu. Mais c'est quoi ce village? Ils vivent dans le noir. Il y a du feu dans le cimetière ou quoi? Non, il n'y a même pas de feu. Oh, la profanation de tombe, c'est magnifique. Bon, ok, il n'y a pas de feu ici. Non mais attends, tu te fous de ma gueule? Jusqu'où je vais devoir aller pour trouver du feu? Ah ouais, j'avais pas visité la maison. Le truc qui a aucun rapport. Ok, donc attends. On va faire un truc. On va simplement changer son bouclier. Non, pas sauvegarder. Ah,
malédiction des araignées nous a tous transformés. Ah d'accord, okay, c'est pas des méchants. Si toutes les araignées de la malédiction sont détruites, nous serons sauvés. Pour chaque araignée de la malédiction tuée, un symbole apparaît. Prouve ta valeur en récupérant les symboles. Quête annexe. Le nombre affiché près de cette icône sur l'écran du statut indique combien l'araignée de la malédiction fut détruite. Lorsque cette icône est affichée près du nom d'un lieu sur l'écran de la carte, toutes les araignées ont été éliminées. Ok, cherche les biens à l'extérieur, mais également dans tous les donjons. Bien entendu, rien ne t'oblige à nous aider, tu sais. Brise la malédiction et tu seras très riche. Bah moi, c'est pas mon but. Bonjour. Moi, franchement, c'est pas mon but. Mon but premier, c'est de finir le jeu, quand même, hein. Pour l'instant, je suis bien emmerdé parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de torche ici. Non mais, s'il faut vraiment faire tout ça... Tu vas voir, je vais essayer de le faire. J'ai réussi à le faire, mais je serais dans la merde parce qu'en fait, il faut pas le faire. Il faut pas le faire comme ça. Combien de paris? Putain, mais. Ça me paraît bizarre quand même qu'il n'y a pas de torche dans le village Cocorico. Ça voudrait dire retourner à l'arbre Mojo? Non. Ce serait con, sérieux, ce serait con. Il n'y a pas de torche à l'extérieur. Oh non. Non, et toi, t'es debout ou pas? Quoi? 22h30, c'est déjà fini? Oh là là! Et le gars, il travaille 30 minutes par jour, quoi. Et il n'y a pas une torche. Y a pas une torche. Bonjour, je rentre chez les gens. Bonjour vous deux, bonjour vous trois, bonjour vous quatre, bonjour vous cinq. Putain, y a pas de torche. Non mais c'est quoi ce jeu? Faut que t'allumes des torches, t'as pas de torche à côté. Oh lolo. Non mais c'est quand même bizarre. Hein. C'est trop zarbe. Soit je suis passé à côté d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais je m'en fous un peu parce que je le sais.
Il y a un truc que je pige pour. Ah, franchement, il y a un truc que je pige pas. Des bâtons, j'en ai. Faut juste du feu. Le feu, il y en a pas. Mais il y en a nulle part. Hein. Il fait jour dans la caverne, il y a pas de feu. Ah, j'étais pas venu ici. Ouais, mais c'est de la lave et on peut pas avancer, non? C'est ça? Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Et c'est trop bizarre qu'il n'y a pas de feu quand même. Merde. Aïe. Et c'est ça, il n'y a pas de feu. Ah, mais je suis con. C'est aussi simple que ça en fait. Je viens de penser à ça. Ah non, je l'ai pas le. Je l'ai pas le multipass. Mais je suis le putain de messager de la famille royale. Bah non. Ah putain. Donc là il y a bien un bâton. Là il y en a un. Et où faut l'allumer? Où faut aller pour l'allumer? Apparemment, la salle du haut, on peut pas y accéder sans passer par en faisant le funambule. Donc on va réessayer. Allez, Link, allez. Yep. Quelque chose devait être fixé sur ce socle. Ok, mais quoi? Ça, on ne sait pas. Ah si, c'est... Oui, la pierre rouge.
Non, non, pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber. Ouais, je donne des coups de stick parce que tout à l'heure j'ai voulu le faire normalement et ça n'a pas fonctionné. Hein? What the fuck? Ok. Très drôle. Très drôle. Là, franchement, très drôle. Yaha, j'ai sauté. Aïe. ouais. Non, parce que là, on est d'accord, elles sont éteintes, hein. Sérieux là? Et lui qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Essayer de l'arrêter, il dit moi j'ai rien pour l'arrêter. D'accord, ça revient ici. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais. Bon, donc en gros, il faut se taper un grand aller-retour, un très grand, je dirais même. Ce qui me paraît hasarde, mais bon. Ça me paraît trop arbre. Et là, on peut pas passer. Ouais, je sais pas. Hein. Yes, ça fait. Et encore une fois. Non mais là franchement si c'est ça la mission, on se fout vraiment de la gueule du joueur. Ce serait dans le village d'à côté, le village Cocorico, je dis pas, mais... Village Cocorico, t'as pas une torche? Bon, on va se taper un aller-retour. Est-ce qu'il y a des torches au château, moi? Est-ce que je vais y arriver en journée déjà? Là est la question.
là, ça c'est bon. Mais est-ce qu'il y a des torches? Parce que là, elles sont éteintes. Oh putain. J'ai pas envie d'aller voir la solution. Je suis pas là pour voir la soluce. Je suis là pour trouver la soluce. Temple du temps, il y a pas. Il y a pas de torche. Et c'est dans lequel qu'il y a une histoire de 3 jours. Non, parce que là, les 3 jours, ils sont passés. Putain, mais il n'y a pas de torche non plus ici. Bon, bah sortir du village. On peut pas récupérer la poule et la ramener à la dame là. Non. Sérieux? Si c'est ça qu'il faut faire. Honnêtement, ce serait vraiment le gros bordel. Là, franchement, ouais. Ok. Bon, on va essayer de trouver. Hein. Et allez. Je sais même pas où elle est là, quoi. Si elle est là, elle doit être là-bas. Il n'y a pas une torche. C'est quoi ça? Il n'y a pas une torche. Mais c'est un truc de malade. Pareil que même dans la forêt, il n'y a pas une torche. Et je suis sûr que ça va servir absolument à rien, ce que je suis en train de faire. Putain, mais il n'y a pas une torche? Ah, il y a des coffres ici. Oh, des rubis bleus. Rubis verts, des rubis bleus, un cœur de ville, le truc qui sert strictement à rien étant donné que j'étais plein. Il n'y a pas une torche. Il n'y a pas une torche. Sérieux? Ah non, mais si c'est ça, c'est abusé. Et je suis sûr que c'est pas ça en plus. Donc,
Ce serait vraiment abusé, hein. Ça serait vraiment abusé. Mais j'ai eu la sortie. Que je vais arriver, la torche elle sera déjà éteinte. Malgré le fait que je l'ai rangée. Et bien, si c'est le cas, j'irai voir la soluce. Ça sera aussi simple que ça. Mais... j'ai l'impression que la webcam elle redécote pas comme la dernière fois. Mise au point, je comprends pas. C'est pas grave. Un raccourci. Ah bon, on peut passer. Ça ressemble à du barbelé, mais on peut passer. Bah. En jouant comme ça, je viens de m'apercevoir d'un truc. Le stick de la Dreamcast est beaucoup plus sensible. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon, on va peut-être y arriver. Allez, je saute dans la piscine, rien à foutre. Allez. Parce que je suis sûr que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc. Perdu 45 minutes pour un aller-retour et... allez, saute! J'en étais sûr. J'en étais sûr. Putain. T'as quelque chose à me dire, toi? Bon. Il y a
quoi par ici? Non, mais... C'est quoi ce truc? Même là, la torche est... Même là, les torches, elles sont éteintes. T'as rallumé moi les torches avec les étincelles, hein, t'inquiète. Hein. Putain. Ah. Qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, le feu de l'antre du chef. Faut rentrer dans l'antre du chef. Ah, ça me dit pas où c'est. Hein. Peut tabasser un développeur. Je peux tabasser un développeur. Je déconne en disant ça forcément, mais. Quoi? Qui es-tu? C'est toi qui as joué le chant de la famille royale? Mais tu n'es pas un messager! Tu n'es qu'un nabo avec un chapeau vert! Darunia, le chef des corons, mérite plus de considération que la de la part de son frère de clan, le roi d'Hyrule. Alors là, je suis Furax! Hors d'ici, le gnome! Tu me demandes pourquoi je suis si furieux. Waouh, t'es mignon toi. Écoute, des monstres infestent notre caverne Nonongo. Nos récoltes de choupetteurs et... Je vais pas y arriver avec ce mot. Et minable. On crève tous de faim par ici. Il n'y a plus un rocher mangeable. Mais... C'est notre problème. Cela ne regarde que les gorons. Ok, monsieur. Faut appuyer sur A. Voilà, comme ça on le range. Et normalement, on sent ça. Et putain, et là, là, franchement, ça va me gonfler. Tu l'allumes. T'appuies sur A, tu le ranges. C'est ce qu'il dit, hein. Il y a une sorte de petit tuto, c'est ce qu'il dit. Et après, tu... Il faut réappuyer sur A. Non, mais là, il y a un truc qui va pas, là. Hop. On appuie sur A, on le range. On le ressort. On peut pas le, on peut pas le ressortir. Putain. C'est de la merde, leur truc. Toi qui me dis de la merde là. Hein? Hein? C'est toi qui m'as dit de la merde. Hein. Quand il brûle, range-le en appuyant sur A. Nicolas!
mon astuce, elle marche pas! Comment va le chef? Je vois. Au fait, connais-tu la musique qui vient de ce tunnel? Nous l'adorons tous. C'est bon, je l'ai joué, hein. Ton 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 ton. Il y a d'autres trucs à... Il n'y a pas d'autres torches à allumer. Ok, bon, apparemment il aime bien danser, on va lui jouer le truc. Ah ouais, en gros il y a le tapis, putain, faut faire gaffe au tapis quoi pour pouvoir y jouer. Ça va, Dieu? Oh putain, hé. J'ai le tué. Peut-être qu'il en sait plus. Eh hey, bonjour toi. Non, il m'en dit pas plus. Oh, ok. On va jouer le funambule. Eh merde, ouais, bah, j'ai pas envie de redescendre. J'ai avancé d'un pas, j'ai pas l'impression que j'avance beaucoup. Hein. Bah oui. Connais-tu la musique qui vient de ce tunnel? Bah oui, mais moi j'aimerais bien l'apprendre, la musique qui vient de ce tunnel.
C'est de l'autodidacte qu'il faut faire. On va essayer. Ok. Ça n'aide strictement pas, hein. On est d'accord, hein. Il n'y a pas de tapis, donc on s'en fout. Hey, bonheur. T'es sérieux là? Franchement. J'ai allumé les torches, qu'est-ce qui va pas encore? Oui, ben, il croit pas que c'est moi le truc. La musique de la forêt. Je la connais pas, moi, la musique de la forêt. Faut que je retourne à la forêt là. Bon, bah on va retourner à la forêt, hein. On va retourner à la forêt. Hey, c'est bon. Oh, arrête de bugger. Voilà. Pas sauter d'ici. Ah si. Ah ouais, bien. Y a pas de barrière, vas-y saute, tu crèves. Ouais, y a plus court. Y a plus court. Ok. Bon, il vient juste de faire nuit, hein. Le temps que j'arrive, normalement, c'est bon. Pour le fossoyeur. Combien tu paries qu'il est déjà en train de dormir, cet enculé?
Ah non, il est pas en train de dormir. Vous trouvez le journal du fossoyeur. Désirez-vous le lire? Non, non, j'ai pas envie. En creusant un trou, j'ai trouvé un truc qui fait boing boing. On dirait un ressort. Je le donnerai à personne. Il dit où? En creusant un trou. C'est tout ce qu'il y a dans son truc. D'accord. Ah, il est là, le fossoyeur. Eh, bonjour, monsieur. Hé, petit, laisse les tombes à leur place. Moi, c'est Igor, le fossoyeur. Ma face fait peur aux mouches. Mais je suis un chic type. Connais-tu l'attraction du cimetière? Elle s'appelle l'excursion du fossoyeur. Je creuse, je trouve un truc ou que dalle. Fais-moi creuser et garde tout pour ta pomme. Quoi, 10 rubis le trou? Non mais tu te fous de ma gueule? Même par ici, parce que je suis sûr que c'est là qu'il faut creuser. Attends, je vais quand même aller voir ailleurs. Et merde, il flotte. Oh, il y a de l'orage. Ah, c'est là qu'il faut creuser. Igor, dépêche-toi, Igor, viens par ici. Igor, vas-y, Igor. Ouais, Igor, 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 oh, Igor, Igor, oh, oh. Oui, je veux que tu creuses pour moi là. Mais pas ici, connard! Ah ouais, non, mais il creuse vraiment sur place, quoi. Moi, c'est ici que je veux que tu creuses. Hey! Youhou! Youhou! Oh oh! Oh! Du con! Moi, je sais où faut creuser. C'est toi qui veux pas que creuser là où je veux. Ouais, c'est bon, creuse ici, creuse ici, creuse ici. Ouais. C'est de la pure merde, le truc. Il creuse pas où là où tu veux. Moi, je veux qu'il creuse le trou là-bas. Il veut pas. Il va se faire foutre. Hein. Allez, avance. Creuse ici, vas-y. Dirubi, vas-y, creuse. Enfin, il y a Dirubi. Laisse tomber. Le gars il est super lent, il veut pas aller où tu veux. Ok, bon. Putain, il est où le village là? Il est...
Forêt, faut aller à la forêt. Il faut aller à la forêt. Et on va se retaper un aller-retour. Ah là 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 là. Faut passer par la rivière. Allez, remonte au lit. Yes, on peut passer par la rivière. Bon. De la forêt. Je comprends pas tout à ce qu'il faut faire quand même, hein. On va pas retourner à la forêt étant donné qu'il faut le champ de la forêt. Ne fais pas. Honnêtement. Forêt. Bon, qui peut m'apprendre le chant de la forêt maintenant? Saria te cherchait. L'as-tu vu? Bah non. Oh putain. Bonjour. Non, je m'en fous un peu en fait. Il y a Saira Connor qui me cherche. Bah moi aussi je la cherche. Comment te dire, je sais pas où aller. Que je m'en fous un peu des bois perdus, moi. Saira t'attend. Alors, Saira Connor t'attend à l'endroit habituel. Et c'est où l'endroit habituel, putain? Saira m'attend à l'endroit habituel. Okay. Saira Connor? Non, c'est à côté. Je sais pas où c'est, moi, l'endroit habituel. Ils sont mignons, mais... En plus, avec la distance d'affichage, on voit les gonzes assez proches, quoi. Faut être quasiment collé à eux. Bon, je déconne en disant ça.
mais il pop quand même assez proche. Ça, c'est la grotte. Non mais sérieux, je sais pas où elle est. Aïe. Ok, il n'y en a pas que là-bas de la terre fraîchement retournée. Non mais sérieux, elle est où? Sérieusement? Ça ira, t'attends au lieu habituel. Paye ton lieu habituel. Ouais, heureusement qu'il y a des fées qui apparaissent beaucoup plus loin quand même. S'il y a quelqu'un pour savoir ce que fait Syrah, c'est bien Mido. Il est sûrement dans le coin. Putain. C'est qui Mido? Cherche Mido. Je cherche plus Syrah Connor, mais je cherche Mido. 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 Ouais, mais je sais pas où c'est l'endroit habituel, tu me saoules. Non mais moi je cherche Mido, j'en ai rien à foutre du lance-pierre. Je cherche Syrah. Elle est dans les bois perdus, comme d'habitude. N'y dis pas que tu ne le sais plus comment y aller. L'entrée est sur la falaise au-dessus du village. Je parie que tu vas te perdre, minable. D'accord. On se tape des allers-retours pour aller dans un autre truc. Ouais. Mais là, c'est la grotte, c'est pas la forêt. Ah non, les bois perdus, c'est bien les bois perdus, ok. Alors. Ça me dit rien qui vaille. Il n'y a même pas de carte, c'est cool. Ok. Faut pas aller tout droit. Ouais, à droite. Droite, ok. On va retourner à droite.
Nope. Et si on va à gauche? Ça fait quoi? Je veux juste voir. Ok, droite et gauche, il y a des trucs. Ok, ouais. Je suis pas du tout folé. C'est le principe de la découverte d'un jeu. On me dit à l'oreillette. Pour faciliter ta quête, je peux te donner le pouvoir de porter plus de bâtons, Mochio. Cela te coûtera 40 rubis. Ouais, c'est bon. Merci, Mio. Ok, donc là, c'est un cul-de-sac. Ça m'intrigue. Tu montes là-dessus et... Ouais, c'est pas exactement comme ça, la chanson de Saïra. Ok. Faut apprendre la chanson de Saïra. Au moins, on sait quoi faire. Bon, faut pas partir à droite, faut partir à gauche. Eh oh, par ici. Link, quel plaisir de te voir. Écoute donc mes sages paroles. Ouh, ouh, ouh. Après avoir traversé les bois perdus, tu arrives au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Ouhou, ouhou. Chut, écoute, j'entends un son mystérieux. Tu devrais t'y rendre l'oreille à ton tour. Ouhou, ouhou. Veux-tu que je répète tout ça? Bah non, putain. Sois courageux et la forêt te portera par de ne te posera pas de problème. Ouhou, ouhou. Fais confiance à tes oreilles dignes. Dirige-toi grâce au son de la forêt. Ouhou. C'est plus la voix que je lui avais donnée quand on avait fait Force Sword. Village Goron. Ça arrive au village Goron. C'est là. Ouais, c'est pas faramineux quand même son apnée hein. Ouais, c'est bien là-bas.
Bosquet sacré. Paye ton labyrinthe. Il y a simplement plus d'eau, c'est tout. C'est trop ça, trop arbre le fait que ce soit vu de haut, vu en 3D, vu de haut, vu en 3D. Fontaine des fées. Merci de m'avoir redonné ma vie. On se retrouve plus tard. Kiwi. Je l'ai enfin trouvé. Ça ira qu'au nord ? Je t'attendais, Link. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux, j'en suis sûr. Je joue de l'ocarina ici, et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi?
Essaye de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Bravo, bravo! N'oublie jamais cette mélodie. Tu me le promets? Entonne le chant de Syrah si tu as besoin de me parler. Vous apprenez le chant de Syrah Connor. Non, c'est à côté. Ouais, il est bizarre la Triforce là, ici. Il dirait presque d'un signe du Pays Basque, quasiment. À peu de choses près, bien sûr. Ok. Et donc là, il faut se barrer. Il n'y a pas moyen de se TP, non. Bah oui, si on entend, mais... Encore faut-il trouver le... le lieu. C'est ça, en fait, le problème. Encore faut-il que le lieu ne soit pas bouché. Ouhou, Syrah t'a-t-elle appris une chanson? Cette mélodie semble avoir de mystérieux pouvoirs. C'est quoi cette bruit? J'ai deux fois dans le live. Tu apprendras sûrement d'autres chants au gré de ton périple. Utilise ton ocarina avec. Le tuto, il est fini quand? Je te conseille alors de jouer un chant que tu connais. Je te conseille aussi de jouer même si la portée n'apparaît pas comme ça. Les mélodies que tu apprendras seront enregistrées dans le sous-menu du statut. C'est là une info utile. Et quand même servir de l'ocarina, voilà quoi. Ok, on y retourne. Un jour, je sais jouer de l'ocarina.
Tu connais le chant de Saïra, alors soyons amis, tiens, prends donc ceci. Waouh, un cœur de vie supplémentaire. Ah non, c'est même pas un cœur de vie supplémentaire, c'est... Ça m'a juste soigné. Ouais. Oh là là, les allers-retours qu'il faut faire quand même. Et là, j'ai arrivé là-bas et je vais me pointer à l'entrée. Et on va dire c'était ouvert. Je suis persuadé. Ah putain. Bon. Ouais, non, et là, franchement, c'est du FedEx, hein. C'est du FedEx, mais... assez long, quoi. C'est du Death Stranding à voleur, ou quoi? Allez, go, 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 go. Et lui, est-ce qu'il s'arrête? Il tente de me donner un conseil sur comment l'arrêter, l'autre. C'est de dévaler le long de la montagne avec un choupetteur dans les dents. Je dois foncer dans le rocher et boum. Mes chiens pelants, mon choupetteur explose trop tôt et mes dents, bah, comment dire, elles sont nasses, quoi. Ok. Ok. Bon. Bon. Aïe. Simplement voir. Ah non, c'est fermé. Ouf, putain, ça m'a fait peur. Obligé de faire une FedEx. Allez. Eh, du con! Putain, je te l'ai joué du premier coup tout à l'heure.
Je la connaissais même pas. Putain. Mais quoi? C'est le chant de Saïra que j'ai appris. Les torches elles sont allumées, tu vas pas me faire chier putain. J'étais dans la forêt, elle m'a appris le chant de Saïra, c'est pas de ma faute. Ah oui, c'est sûr, on fait chier. Oh putain. Là, franchement, il y a quelque chose qui va pas là. Non, je crois que j'allais prendre la soluce, hein. Ça me saoule. Ça me saoule de prendre la soluce, franchement. Aïe. Bon. Ocarina of Time. Soluce. Sans Zelda, forcément. La cave en Dodongo. Quoi? Je suis pas encore ici, moi. Le mont du péril. Le village Cocorico. Gna 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 gna. Ah ouais, c'est la poule qui te fait faire ça. Oh là là. Ok, il y a plein de trucs que j'ai pas fait déjà, donc on s'en fout. Ah, village de Kokoro.
Non mais il est codé avec le cul le jeu là. Je suis sur ce tapis, ça fonctionne pas, il faut être sur ce tapis pour que ça fonctionne. C'est de la chanson. Ma déprime vient de s'envoler. J'ai eu tout d'un coup envie de danser comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Je suis le chef des Gorons. Je peux faire quelque chose pour toi? Pardon? Tu veux la pierre ancestrale du feu? Ben voyons. La pierre ancestrale du feu est notre trésor secret. Nous l'appelons le rubis Goron. Mais si tu la veux vraiment, tu pourras peut-être nous rendre un service. Peux-tu détruire un monstre de la caverne de Mongo? Ainsi, nous aurions de quoi manger et je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur, même la pierre ancestrale. Tiens, prends déjà cet objet, il te sera certainement utile. En utilisant même un petit gars comme toi pourra déraciner les choupetteurs avec. Un bracelet de force appelé bracelet Goron. Oui. En même temps, il est prééquipé. Ok. Ah, c'est ça, Link gaucher. J'avais un peu. Link et Goshi. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aïe, connard!
Ok, j'ai un passage. Bon, j'ai trouvé comment le faire. Bon, maintenant, j'essaye de l'arrêter lui. Il arrive quand? Maintenant. Non, apparemment, c'est pas comme ça. C'est pas grave. C'est qu'une quête annexe, donc on s'en fout. Peut-être que plus tard, ça sera mieux. Et là aussi, il y a un chemin. Merde! C'est ça que je voulais faire. Aïe! C'est chier. Bon. Voyons voir. Funambule. Link, tu joues au funambule. Merci. Ça se bien. Non, non. Bon, ok. Aïe. Parce que là-bas, j'y suis allé et il y avait des pierres pareilles. Peut-être que c'est un passage. Je suis con. Il y a aussi des pierres ici. Allez. Des racines choupetteur. Vas-y. Non, ça t'explose dans les mimines. Okay. Okay. Et comme tout à l'heure, ça c'est bon. Et merde, le skill c'est pas ici, il y en a pas ici du skill. Pas du tout. Et merde. Ah putain. Putain, c'est trop loin, ça va péter pareil. Ouais. Pas gagné cette histoire. Non, non. Pourquoi il y a des choupetteurs là? Je sais pas. Pour faire joli, petit. Ouais. Je retente une dernière fois. Hey, j'y suis arrivé tout à l'heure. Parce que j'ai dit que le stick de la Dreamcast était plus précis. C'est pour ça. Voilà, c'est fait. Et là, pas de choupetteur. Bah, j'ai fait ça pour rien. Bon, bah, c'est pas grave.
va quand même y aller, hein. Du cure. Alors. On prend le choupetteux d'ici. Ah, là un autre problème. Ah non, ok, non, c'est pas un problème. Faut juste bien viser. Voilà. Voilà une entrée. Faire une masterclass. Ok. Caverne d'Odongo. Prends garde de nombreux puits de lave. Non, c'est vrai. Ok. Ok, elle descend et elle monte. Hey. Sérieux? Continuer la partie, oui, j'ai pas envie de retourner à Peter Schnauk. Hein. Eh merde! Oh putain! Ah, il y a des échelles. Ouais, mais ça sert à quoi? C'est bien beau de faire ça, mais ça sert à quoi? Ouah, elle est puissante ces merguez. Ok, en plus ça explose. Ah,
Putain, je vais recrever. Non. Ils ont été jusqu'à faire ça. Et ça. Comment dire? Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Et je suis pas en masterclass. Sauf que là, la porte est fermée. On est d'accord, hein, ça servira à rien. Ils l'ont fait. Ok. Bon. On va repasser par là, hein. De redescendre. Un coffre. La carte. Putain, mais on l'a déjà eu, le tuto. Je me rends, laisse-moi partir et je te vends un bouclier Mojo. Hein? Un bouclier Mojo? Mais c'est parce que j'ai déjà. Bah si. Il voulait m'arnaquer en plus.
Aïe. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est dubitatif quand même sur ce qu'il faut faire, mais bon. J'essaye, mais chaud quand même, hein. Il y a une statue qui bouge. Ils l'ont fait un peu à la rive dans tes vies. Évident en 3D quand même, hein. Ok. Ah, il y en a plusieurs. Ah, parce que un, ça suffisait pas. Ok. Thank you.
Ok, faut aller où? Faut aller là. Il n'y a pas du cœur. Ah. Si. Ben. Là, il faut un choupetteur. Et là, il y en a plein. Bonjour, monsieur. Oh putain, il y en a 36. Boum. T'es plus fort, je vais te vendre un bâton mojo. Une unité, 15 rubis. Putain, mais c'est des arnaqueurs, les Twix. Donc, au début de donjon, il y a la porte que j'ai pas faite. Hein. Que je pensais qu'elle était fermée. Bon, on s'en fout de cela. On trace. Ok, j'ai compris. On allume, on passe. On allume. On allume. Et on allume. Ah voilà. Yep. Et donc là, on va faire la seule qu'on n'a pas fait. Normalement, il n'y a que celle-là. Ouais. Mais non, je ne vais pas sauvegarder. Je vais juste aller là. Voilà. Oh, il y a une chauve-souris qui flambe. Quoi, mon bouclier a disparu? Ah ouais, c'est un bouclier en bois. C'est pour ça qu'il y en a là qui le vend plus cher. Oh, oh putain. C'est pour ça qu'il le vend plus cher. Parce que forcément, sans bouclier, tu peux pas avancer. On peut dire de Shenmue que manque de pognon, on peut pas avancer non plus. Même pas le récup. C'est quoi ce truc de malade? Je peux même pas récup l'objet.
peux même pas récupérer ma récompense. C'est quoi ce truc? Hey Batman. Voilà, merci. Mais je peux même pas récupérer ma récompense. Mais... Ah ouais, d'accord. Ouh. Ok, je viens de comprendre. Le jeu, il t'explique tout sauf ce qu'il faut. Ah, j'aime pas les jeux où t'es tenu par la main. Mais j'aime pas les jeux où t'es tenu par la main, mais ils expliquent pas ce qu'il faut. C'est encore pire que les jeux tenus par la main, je trouve. Ok, faut aller. Là, il y a de la bombasse. Ok. Il y a 36 000 bombes pour un seul truc, bébé. Boum. Ouais, c'est ça. Ok, il y a de la bombe. Il y a de la statue. Ah! Ok. C'est quoi qu'il faut lui faire à lui? M'en fous, j'ai réussi à avoir le coffre. J'ai la boussole. Et je peux pas quitter ce soir. J'adore. C'est pas grave. Je reprends au début du donjon, j'ai la boussole quand même. C'est pas grave. C'est pas grave tout ça. Non, j'ai pas demandé à sauvegarder. Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Y a un truc que je pige pas. Si, ils sont détruisibles, ok. Ouais, super. On va y arriver, on va y arriver. On sait pas quand, on sait pas comment, mais on va y arriver. Pas évident le jeu quand même. Bon. Maintenant, comment faire? Non, parce que là, je le vois pas du tout. Faut ouvrir, faut que lui il ouvre sa gueule, mais je sais pas comment faut faire. Je vois pas comment. Mais vraiment. Ok. J'ai tout visité. J'ai tout visité, même les salles secrètes là. Ah non, sauf au 2F. Ah putain. Et comment on y monte? Je sais même plus. Je sais même pas comment on y monte. Dommage qu'on n'a pas une vue libre à 100%. Bon, on va essayer. Il y a forcément un endroit que j'ai raté de toute façon. Limite les oracles sont moins durs.
cœur. Il y a un cœur là-bas. Bon, bah voilà. Hein. Boosting. Laisse tomber. Quoi? Ok, ben laisse-moi crever alors. Même pas comment on monte au DF là. À l'étage. Ah ouais, merde, j'ai même pas le bouclier. Pourtant, je l'ai déjà cramé, lui. Hop. Ah non, on peut pas monter à l'étage d'ici. Ils disent que j'ai déjà visité des étages, mais non, en fait. Ouais. Mais what the fuck quoi, j'ai envie de dire. J'ai déjà visité l'étage. Bah non, j'ai pas visité l'étage. J'ai nullement visité l'étage. Parce que là, on peut pas monter. Là, y a rien pour monter. Donc, je suis désolé, mais j'ai pas visité d'étage. À part si là, il considère que je suis à l'étage. Bah non. Thank you.
Y a des trucs de pas clair dans le jeu quand même. Il y a vraiment des trucs de pas clair dans le jeu. Non, là il est bloqué. Non, on est d'accord. Hein. Ouais, il bouge plus. Il n'y a rien pour sortir. On peut pas monter à l'étage. Il n'y a rien pour sortir. Ouais. Là, il est bloqué le truc. Ah non, on peut le tirer encore. Ouais, mais ça va être relou à faire ça. Dégage. Le système de visée n'est pas top, hein. Ah bah voilà. Et ça me permet pas de libérer l'étage. Je suis sûr. Non mais là il n'y a rien qui doit se péter là. What? Mais what? Oh, et puis le truc, ça me trucide les oreilles. Merci.
Ben, là il y a un truc que je pige pas. Il y a vraiment un truc que je pige pas là. Vraiment un truc que je pige pas. C'est fou. C'est quoi dans ce donjon là? Y a quoi dans ce donjon? Sérieux? Y a pas d'escalier, y a que dalle. On peut pas accéder à l'étage. Bon bah Solus. Solus, c'est le seul truc que j'ai, hein. J'ai la carte, j'ai la boussole. J'ai fait le mini-boss. Mais oui, mais ça s'est fait. J'ai la boussole. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment ça. Je crois que vraiment le jeu il se fout de ma gueule. Y a rien qui t'indique qu'il faut faire ça. Y a rien qui t'indique qu'il faut faire ça, c'est sur la soluce. Ok, la soluce que j'ai, ok, ça se voit que c'est pas les mêmes textures. Mais là, je suis désolé, mais les textures, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Tu peux pas savoir. Je peux pas savoir que c'est ça qu'il faut faire. Allez, un cœur, s'il vous plaît. Là. Merci. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ce beeper à la con.
Je suis désolé, mais tu peux pas savoir. Ok. Il y a de la chauve-souris, putain. Oh là là là. Que les chauves-souris à la limite, et encore c'est en 3D, c'est pas évident de les shooter. Allez, crève! Même pas de cœur, Eve. C'est juste un truc à pousser, heureusement. Oh putain, et ça je le savais. Non, j'ai pas envie de crever, non. Comme Tomb Raider. Et merde. Quoi? Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que là, ça commence à me... frapper un peu sur les nerfs. Ah ouais, un excellent jeu. On va voir si le tuto est fini, déjà. Parce qu'au bout de 6 heures de jeu, en théorie, il devrait être fini. Hein. À part pour certains trucs. Mais voilà, quoi. C'est balèze. Bon, en tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé ce live. On se retrouve... demain sur la chaîne Dobat, parce que moi je suis considéré comme un nouveau FPS. Hein. Ils n'ont pas vu ma performance sur quand c'est en arène. Ils vont bien le voir que je suis pas si noob que ça. Bon, je pense qu'il y aura des meilleurs que moi aussi dans les noobs, mais on verra ça. Valorant, demain 20h. Allez, salut tout le monde. Des bisous.